célébration de la Journée internationale de la femme rime souvent avec nourriture, boissons, grandes cérémonies et grandes ripailles. Et souvent, peu de place est laissée à la réflexion. Réflexion sur la femme et son apport au bien-être de la société. Aujourd'hui, quand nous disons femme, qu'est-ce que cela nous évoque? Certains diront la femme au foyer, le sexe faible, vulnérable, pendant que d'autres diront la femme capable, la femme brave et digne, la femme gestionnaire d'entreprise, la femme qui se bat au quotidien. Nous pouvons tellement de choses que nous croyons pourtant ne pas pouvoir ou devoir faire parce que pendant longtemps, nous avons vu les choses ainsi se faire. Non, l'heure a sonné. Tu peux aussi, en tant que femme, tu peux aussi, et beaucoup de par tes compétences, ton amour, tes responsabilités, ta volonté et ta détermination. Je peux aussi, tu peux aussi, nous le pouvons et vous le pouvez certainement aussi. Tout maman laisse nous couper. Bon, et vivre nous mieux, bon, mais bah, ça me tend les dos. Bon, maintenant, de vivre là, même couper. Nous les gérer, une fois. Mais mon plan même encore gigile. Les plans nous do, les nommer comme même tendre, maintenant sans tout. Comme même bon, FIFA natin nous mieux. Les plans nous dégo. Les maintenant ils nous dégon. Les plans nous dégo. Et nous allons sous. Fondation en tout aussi en l'homme et nous devons mettre sur grande couleur nona couleur ton ami toi zai be toji nous d'accord nous déjà vous devez donc ils aiment ami et t'as dit de domlon y do y manana ami nous devons mettre sur grande couleur bah y donc y a mis des mis sur grande de nous doudo bon nous bon ouais nous mis sur zia follow mis zé zonilo mis modo et ni nous d'accord tra la bo zé dans l'homme ami et ni quand bon quand tout d'arôde na ouin dole bo ya dje go kota le glo bo tout clair et tin tout kota miton le glo on dit do et doa loté. Nous avons anticipé la célébration de la Journée internationale de la femme et nous avons voulu au nom de la fondation en tout pour tous réunir les femmes et autour d'un thème parce qu'on n'a pas voulu festoyer mais juste un moment de réflexion, de les amener à réfléchir sur comment sortir de leur silence, de leur, comment se prendre en charge.